Bonsoir tout le monde, ici Ivasan Studio pour du Dofus, sinon c'est pas marrant. Oui, je savais plus ce qu'il fallait que je dise. Alors, nous sommes dans la petite voiture, on est super contents. Donc sur le siège passager, on a Loulou. Oh putain, mais coucou! Sur le siège enfant, nous avons Imagiro. Et voilà. Oula! Il est mort. Et vous Il fait m'entendez exprès. pas? Ben non. C'est bien la première fois qu'on n'entend pas un gosse. Dit salut. Bon, Alors on n'a au pas moins c'est dit. entendu. Et vu qu'on l'a un peu forcé, on a foutu Jake dans la malle. Pauvre. Roule pas trop vite, la malle. Dans la malle. Et non, on roule pas trop vite. Et donc oh, voilà, Yakibong, on est parti. On en fait un donjon bloc. On l'avait dit, on le fait. C'est parti. Ah oui, On tient nos petit passage. promesses. Ah, c'est. C'est chiant. Ah, on l'a entendu. Ouais. Ouais, c'est chiant parce que j'y ai pas touché. Et je l'ai entendu moi-même, donc ça m'a saoulé. L'avait entendu déjà la dernière fois aussi. Ah bon? Ah bah Ah je l'ai oui. pas entendu. Mais putain! Qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez entendu ou pas? Bon. Ah attends, c'est peut-être moi quand je l'ai annulé. Oui, mais c'est pas grave. Ouais, c'est moi quand je l'ai annulé. Ok. Donc oui, petit aparté avant de commencer, j'ai changé de panneau. Voilà. Ok. Vous allez voir, c'est rigolo. Oui, les blocs. C'est les meilleurs. Jake, tu Meilleurs viens? dans ce monde. Il faut aller en, Utilisez la vers clé. la. T'as un PNJ tout en haut à droite. Le Il s'appelle PNJ noir? Bibliblop. Ok. Utiliser. Pourquoi tu dis ça, toi? Parce qu'il y a un mec. Ok. Hein, qui est en Quoi? bas et. Oui. J'attends qu'il me réponde. Bon, il va pas te Je répondre, comprends pas. hein. Regarde le nom de sa guilde. Oui, ben oui, Joe. Et pourquoi je l'ai marqué en majuscule le comment elle s'appelle ta guilde? Ben, je sais pas. Parfois, on Bon, j'y comprend vais. pas. Aïe, aïe, aïe. Je La comprends pas du vidéo, tout. ce qui était sur Facebook. La vidéo qui était sur Facebook. Oui. Que je t'avais envoyé fait. Comment tu t'appelles? Quoi? Ah. Comment tu t'appelles? Ah, mais faut faire le lien, hein, c'est incroyable. Joe! Fuck you, Joe. Nique ta mère, Joe! Ah, on fait pas statut. Non, on fait partage. Les meilleurs monstres du jeu, sont les et les bloopies. J'ai pas activé le son. Moi, j'ai activé le son, mais la musique s'est arrêtée quand on est rentré dans le donjon. Oui, moi aussi. Pareil. Bon, c'est pas grave. On entendra beaucoup Bizarre. plus les blablabla. Je vais prendre le Renet, hein. Vous allez vite comprendre pourquoi. Salut Draken, ton message s'est pas affiché, c'est Salut, normal, t'as Draken. été attrapé par l'auto. Oui, je viens de voir, oui. L'auto-insertion. Alors, on va bannir Draken. De rien là, que j'ai. Mais pourquoi j'ai pas le son aussi? Ou alors je prends le tronco. Je prends le Renet ou le tronco? Parce que de toute façon, j'ai le tronco devant. C'est pénible. Je vais voir Bon, lequel mais je j'ai peux plus de. toucher, mais je pense que je peux toucher le tronco en fait. Cette carte souffre d'un malus total d'expérience et de butin de moins 18%. Ouais, parce que tout le monde le farm en Ouais. fait. Ouais, je peux Ah. toucher le tronco, tant pis. Voilà, bonjour les Oh dégâts. putain. Donc je vais tuer le tronco. C'est les meilleurs.
à long terme. Quoi? Ah. Moi j'ai même pas les bruits. Ah, moi je les ai, ah c'est bon. Ah non, moi là je suis content, c'est... je suis au pays des blobs, tout va bien. C'est vrai que ça manque un peu de musique, mais c'est pas grave, peut-être que ça reviendra dans les prochaines salles. Je sais pas. Bon, je sais, j'ai compris. Tu peux l'affaiblir, hein, mais. Bon, ben, mec. Miaou. Toujours plus loin. C'est pas grave. Au revoir, mon coblob. Oh, espèce de sale pute. 24 PV. Ah. Il y a un biblop ici. Biblop. Je peux rien faire plus. Je pense que je peux éclater mon lobe prénet. Je peux rien faire d'autre. Ouais, salut, c'est boum. Quelqu'un devant moi. Oui, il y a un biblop. C'est un biblop. Et tu peux le taper, moi, le prénet? Ben oui. Oui, vas-y, bon. Vas-y. Enfin, tu tapes R dessus, c'est bien. Ouais, voilà. C'est que je peux pas me retaper. Sur la même case? Ah si. Ouais, cabriole. C'est lui qui va apparaître. Il va apparaître. Oh merde. Tu peux faire une perception, Guillaume? Il faut faire apparaître le biblop pour que quand il meurt, ça fasse bla 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 bla. Sinon, s'il est caché, on l'entendra pas. Et c'est là. C'est la priorité number one du live. Le tue pas. Hein. Non, non, je le tue pas, non. Pourquoi tu veux pas qu'il le tue? Mais pour le châle. Le châle. Oh, il y en a un qui a paru. C'est bon. Et toi là-bas. Hey. Mais oui, il a tué. Ah, ok. Blau. Dommage, tu peux. Non. Peut-être sur un coup critique, mais je te touche. Bah vas-y. Non. Bordel. Il est mauvais, il est mauvais. Oh non! Il a tué trop vite. Ils ont pas fait quoi de bruit. Passe ton tour, Jake. Je suis très déçu, il a pas fait de bruit. Ils le font pas tout le temps. Sans rien du tout. Tout ça pour ça? Oui, bah écoute, hein, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Non, ils font plus le bruit quand ils meurent. Mais si, des fois ils le font, je ils le font suis pas tout le temps. Déçu. Eh, mais tout le monde le farm ce donjon, c'est incroyable. Ça reste quelque chose, hein, le donjon. C'est dingue. C'est quand qu'on va au Wabbit? Au moins c'est fait. Est-ce que ça, gros? Voilà, allez, c'est bon. Je voulais la faire celle-là. On est tranquille pour la soirée. Ça, gros, ton groupe. Je regarde un troncoblob. Ouais, super. Deux châles méga génial. Waouh, on peut en faire aucun là. Méga géniaux. C'est difficile, ouais. Le indigo. C'est dommage. Vous pouvez pas le faire, le intouchable? De très loin? Je sais pas, ils ont une sacrée portée, vous l'avez quand même. Ouais, voilà, c'est déjà niqué. Oui. Et on a moins 4 de portée. Ah non! On fait le deuxième ou pas? Non, non, non. Bah, ça voudrait dire tout le monde tape feu. Ça va être compliqué.
Ah, mais c'est pour tout le monde, c'est pas un élément par personne. C'est pour tout le monde. C'est tout le monde attaque dans le même truc. C'est un peu difficile. Et ça aurait été chiant pour le griotte. Grave. On l'aurait poussé contre les murs jusqu'à sa mort. Bon. Merci. Je défrise hein, parfois sur mon ordi, donc je sais pas si ça vient du jeu ou mon ordi. Moi tout se passe bien. Non, moi tout se passe bien. Et je sais que ça fait longtemps que je l'ai pas été à mon ordi. Ouais, moi aussi, il faudrait que je le fasse sur mon ordi. C'est un choix. C'est parti! Il a 42 de résistance en tête. Oui, il tape le R. C'est parti! Toi, sur le griot, Guillaume, tu vas faire de gros dégâts. C'est pour ça que j'ai mis... Fougue. Attention, explosion. Explosion. Nice. C'est bien ça. Mon truc là. 152. Si je dis. Dès que je reviens, ça me laisse là où je suis. Je sais pas. Oui. Si. Même pendant un combat, tu reviens dans le combat. Mais ça fait un peu chier. Ouf! Pourquoi il a pris 132? 132, bah dis donc! Ah, mais c'est pas le poison de plus tu marches et... Ouais, c'est ça, un PM utilisé, faut en perdre 6 PV en terre. Ouais, comme il a marché à l'autre de la terre. Oh, quel dommage! La 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 la. T'as vivement qu'on fasse des abysses de Sifokia. Pourquoi? Mais je t'ai dit, il y a un mob qui a cette tête. Ça risque d'être un peu loin quand même. Oui, mais bon. Ah, oui. Essaye de le taper haut, enfin tu veux pas problème. Mais il a juste fait pfff. Oui. Ça m'énerve. Il a tellement bugué, genre chez moi il a disparu. En fait c'est l'invisibilité qui bug un petit peu. Tout petit peu. Le chaton enragé. Mais où est la carotte dans 12 ans? Il a fait partout. Non. C'est moi ou j'entends plus Guillaume? Oh là là! Oh là là! Ça va les dégâts? Oh la vache, c'est génial! Ah, c'est trop drôle! Okay. Hein. Oh, Guillaume, il faut surtout pas se faire avaler par les glutoblops. D'accord. En fait, c'est un mec est dedans. Non? Oui, il y a un yob dedans. Oui, il y a un yob dedans. Maintenant, si. En fait, il faut pas être aligné avec eux. Il t'attire et il te gobe. Mais il y a plus le yop dedans. Il y a plus le yop dedans.
Et, ah, peut-être qu'il est dans le... C'est dans les gloutovores sur ouais, l'île voilà, de Moon. Gloutovore, ne pas marcher dedans. Ah oh, putain, on commence avec le blob coco en plus. Oui. Ça m'arrange pas tout ça. Bon. Allez, go. Ils ont combien déjà les gloutos de PM? 2, non? Oui, 2 PM. Non, Jake, te mets pas là. Ouais, vaut mieux voilà. Pas parce qu'il va t'avaler dès le premier tour. Genre, salut. Est-ce que je me mets à côté du blob coco ou pas? Je sais pas. Je vais essayer de taper sur le bouton. Normalement, il a que 2 PM. Ouais, normalement. Si là, il a 23, ben je meurs. Allez, c'est parti. On n'a pas un osa pour ressusciter. Je ressusciterai au niveau 90. Ou 100, je sais plus. C'est un peu loin, cela dit. Bon, allez, c'est parti. Bon, oh, ça va. Oh, oh non, c'est bon. Oh, purée. Il a 2 PM, PM pendant 4 tours. Oh la vache. Et on fait imprévisible. C'est imprévisible, c'est pas évident. Hein. Non, parce que c'est mon tour, déjà... il me désigne le blob coco, je chiale. C'est imprévisible. Bon, ben flemme apparemment. Donc... Vous voulez faire un chat, flûte? Nomade, ça aurait été bien. Ah, les flammes. J'ai pas eu le temps. Oh, mais tous les PM qu'il a, c'est abusé, putain. Ouais, ouais, non, mais là, on va ramasser. J'ai rien pour lui. Ça sert à rien de faire un bouclier. Thomas, mets-toi là. Il pourra pas te toucher. Ah, c'est pas faux, pourquoi ça. Pourquoi? Bah, parce que... Bah, ouais, mais... En fait, moi, si, on reste dans le coin, si on reste dans ce coin-là, on est bien. Là? Oui. Ouais. Toi, t'es reste là. Ouais. Et Eric, tu te mets là putain. et tu mets une kawotte devant toi. Mmh. Ouais. Par contre, moi, il va m'attirer, moi. Ah ben... Non ouais. Guillaume. Bon. Puis je meurs. Soit Guillaume, soit moi. Mets une carotte devant toi. Mets une carotte devant toi. Non, pas là. Ouais, non. Juste devant. Après, il connaît pas le monstre, donc c'est pas évident. Tu peux faire ça, c'est vrai. Et la roulette, plus de paix. Ça aurait été très drôle. Ah oh, putain. En fait, le problème, Guillaume, avec ce monstre, c'est qu'il nous gobe. Mais quand je te dis nous gobe, c'est nous gobe. Mais ça fait quoi après? Eh ben ça nous te, il te ouest en fait. Il te tu meurs. Il te hussé. Il est très fort. Donc le but c'est que bah, il faut l'empêcher de. Et il bouffe même ses alliés. Il bouffe que ses alliés quoi. Oh, putain. Oh la vache. Ça, tu peux faire libération si tu veux. Ouais, mais t'as vu tous les PM qu'il a, ils sont fous. Mais là, son allié est toujours dans lui ou il est mort? Ah, il est mort. Non, il est mort. Comme à moins que rien. Et c'est ce qui risque de nous arriver à tous. Ouais, là tuez-le parce que. Ouais, il va falloir. Et en plus, il va être soigné par la carotte. Bon, j'ai rien dit. On est dans la merde. Tiens, mais pourquoi je me suis mis là? Je sais pas, mais on est un peu dans la merde. Oh non! Parfait! On est dans la merde! Où est-ce que vous voyez le truc? Hein? Où est-ce que vous voyez le bonus que ça a procuré? Alors, regarde. Dans le chat, t'as 2 PM. Tu vois, allié, gloutoblop, biblop. Attends, non, il est peut-être sur le canal général. Est-ce que t'es sur le canal étoile ou sur le canal combat? Étoile. Bon, ben pas sur le canal combat, et bon, ben là, il faut remonter un petit peu, t'as écrit allié, couteau-bloc, bloc. D'accord. C'est la dèche, messieurs, dames. Mais tu peux pas mettre un petit tofu si, tu peux mettre un tofu ici et un tofu là. J'en mets. Un chauffeur fou. Voilà.
Je vais mettre ça là. C'est la barrière de corail, mais sans corail. Barrière de caouette. Toi, tu peux devenir ça en attendant. Voilà. Et toi, tu peux quand même taper. Ça, c'est cool. Genre bli 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 bli. Il est trop bien ce monstre. Oh là là, mais c'est de pire en pire. Non, 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 non. Rendez-moi mourir. Mais toi, il a gagné de la vie, quoi. Mais en fait, il gagne, oui, 200 il gagne deux, points de vie deux. Par... Là, par là il a fait un coup critique, donc 300. Oh là là. On n'a pas de désavantage, évidemment. Bah non. Ah oui, sinon, c'est pas très facile. Faut qu'on lui enlève 1300 points. Sachant que c'est notre première source de dégâts, c'est faux, quoi. Mais les PM qu'il a. Ah ouais, non, mais là, c'est n'importe quoi. Hop. Adieu tout le monde. Adieu la terre. Et on a gagné 42 dommages de poussée. Je fais rien en fait. Le problème c'est que là on s'est bloqué dans le coin, on n'aurait pas dû. Et vous savez quoi, à la prochaine map il y en a deux. Ouais, mais ils vont se bouffer donc on s'en fout. Oui. Non, le problème, là, vraiment, ouais, la connerie qu'on a faite, c'était de... On aurait dû les mettre en premier, ensemble. En fait. Oui, il faut le focus, je pense. Oh. Comment t'as... Là, je fais des dégâts, maintenant, il paraît. Bah, tu vas peut-être mourir. Non, il peut te tuer qu'une seule personne à la partout. Mais non, mais je veux dire... Moi ? Non, regarde. Ah, ok. Oh ! Mais c'est génial ! Quel salaud. Il est con. Ah, il est un peu con. Ce jeu est très permissif. Non, non, c'est juste que là, l'IA, elle a été complètement daubée. Je sais pas ce qu'elle nous a fait, mais c'était pas ça. Par contre, je pensais que c'était un bug de ma part, mais je vois sur le retour aussi, il y a toujours l'espacement de l'ancienne carotte qui a été bouffée. Non, oui, le glyphe. Non. Oui, c'est le glyphe, oui. Il reste, oui. Ah d'accord. Oui, parce que tu connais pas les glyphes. C'est vrai qu'il n'y a pas de féca. Il les reste glyphes... pendant 8 tours. Quand tu mets ta souris sur le sort carotte, tu vois, pose un glyphe de rang 3, 8 tours. Oui. Et là, on est au tu regardes dans la timeline. À droite, t'as un 4, c'est-à-dire qu'on est au tour 4. Donc il va rester encore pendant 4 tours. D'accord, et c'est quoi un glyphe en fait ? C'est une zone d'effet. En gros, c'est des cases qui sont soit buffées, soit en malus. Donc là, il y a l'effet de la carotte qui est toujours sur la croix. C'est ça, oui. Il n'y a plus la carotte, mais il y a encore les effets de la carotte. Ok. Ah merde, t'es devant moi, putain. Ouais, désolé. Tu peux faire un chaton. Non. D'accord. Ah, parce que t'as fait le chat faire moisi. Ah, merci. Il est complètement con, ce chat. Putain, j'aurais dû me mettre... Peut-être qu'il gobe pas les... Putain, mais il me tacle. Les alliés qui sont à son cac. Mec, Libé tacle. Libération. Ouais. Pas le choix. Hein. Non, tape-le. Au revoir, Yves. Bon, qui est-ce qui va gober ? Et quand est-ce qu'il a plus CPM ? Bah, tu cliques sur lui et... Ah, ça n'a pas fonctionné. Ok, très bien. Dans... 4 tours. Non. Ouais. Bah, dans un tour, il en perd 2. Dans 2 tours, il en perd 2. Dans 3 tours, il en perd 2. Ah, mais là, il en regagne 2. Voilà. Heureusement, c'est le tofu. Encore une fois. Mais j'ai servi à rien. Hein. Je peux pas bouger, je suis taclé. Et c'est 40 en soin. Quoi, ce lag? Je ne sais pas. Tu peux en faire un deuxième de bon du félin, non? Non. Non, c'est qu'un seul partout? Oui. Pour l'instant, ouais. Ah.
Allez, Eric, tu le. Ah, je sais pourquoi j'ai pas de son. Pourquoi? Parce que tu as Parce mute. Que le mélangeur de volume, voilà. Mais parce que je voulais mieux entendre vos voix. Sans chance. C'est fou. Vas-y, ça. Tape. Tape, Jake. Et bien, oui. Voilà. Et le chat faire fou, peut-être qu'il va le tuer. Peut-être. Peut-être, peut-être que. Oh, mais quelle audace. Ouais, c'est bien, bien joué. Il est où le groupe? Ah, il est là. Allez. Oh, le salaud. T'as avancé en mineur Ouais, je suis niveau 30, youpi. Purée. Par contre, c'est le paysan où je suis 120, maintenant. Waouh. Bientôt l'alchimiste 100. Oui, j'ai pas chômé. Mais les mines, c'est l'enfer, c'est juste incroyable. Tu vas où pour miner, maintenant? Nulle part. J'essaye de survivre et de... Attends, parce qu'il fait 1, 2, il me bouffe là. Au revoir. Et si tu veux. Ah, on peut faire nomade et premier. Putain, il va me bouffer là. C'est qui premier? Premier, c'est le tronco. En espérant qu'un de ses potes le bouffe avant, mais. Un nomade là, c'est un peu compliqué. Merci. Va falloir voir ce qu'ils font ces deux imbéciles. Ils font des bruits de ballon un peu. Va falloir tous que vous reculiez dans mon case. Au revoir. Oh non. Oh purée, plus un PM. Putain, c'est pas vrai. Bah il va se faire bouffer, j'espère. Ouais. L'idéal, ce serait qu'il y en ait un qui bouffe l'autre. Ah Jake, qu'est-ce que tu fais, Jake? Je crois qu'il veut mourir. Ah, il y a un bouclier. C'est bien. On a tous cru qu'il allait mourir. C'est parce qu'on lui a fait pas confiance. Vous voyez, on est vraiment les pires. T'as pas l'APO là pour le tronco? Tu veux si. Plaisanter? Ça remonte au cerveau? Voilà, comme ça moi je suis tranquille. Mon petit. Ah, le premier ça c'est te plaît, seul pourquoi? Vrai guerrier. Et du coup, est-ce que... Ah non, il y a non, un nouveau le premier. Est devenu de l'opinion, en fait. Je suis content d'avoir touché le tronco. Si le premier ministre arrive cinquième. Quoi? C'est dans Burger Quiz. Ah, je l'ai pas, j'ai pas regardé. Ah oui, cinquième. Comment s'appellerait-il? Tu les as vus, c'est les deux des semaines précédentes ou pas? Ah non, j'ai juste vu les compilations sur Twitter. Et toi, Eric? Mais par contre, Louis, tu me casses les couilles, là. Oui, je sais. Qu'est-ce que je qu'est-ce que je fasse avec ça? Ok. Moi, Purée, ils se bouffent pas entre eux, là. Ouais, ils veulent pas pour l'instant. Ils ont dit non, on est méchants. C'est surtout la Guillaume, je sais pas comment on va faire en fait. Cours, Jake, cours. Oui, je regarde si je peux pas faire autre chose, mais. Et malheureusement, je crois que je dis, ça sert à rien de courir. Je pense que si tu restes à côté, l'IA ouais. Va péter un câble. D'ailleurs, j'étais au cac et il m'a même pas mangé. Hein. C'est sûr qu'ils attirent parce que ils ont pas l'air de vouloir le faire.
Mais peut-être qu'ils attirent à courte portée, à 2 ou 3 PO. À courte paille. Oublie pas premier. Hein. Oui, oui, t'inquiète. Je fais aussi tous mes PM. Crunch, crunch. Boing, boing. Oh purée, mais ils veulent pas se manger. C'est tant pis, on tue le blopignon. Au moins on valide dessus là. Oh, Dieu, il va mourir. Yes, Tami. Ça c'est fait. Eh bien, oh, putain, c'est... mais c'est vraiment des salopards. Hein. Ils veulent pas. Ils ont dit non. Plus jamais on se mangera. Non. Nous ne sommes pas carnivores. Point. Ça, ça l'est, en plus. Oui, de 200 points de vie. Oui. Et ouais, je peux rien faire. Après, tu peux te cacher dans le coin, mettre un chaton et une carotte, et t'es tranquille. Ou mettons au cac, peut-être. Oh, putain, le bordel. Putain, mais lui, il va me toucher, lui. Oh, ni mettre de chaton, ni mettre de carotte. Quelle audace. Adieu, Guillaume. On a dit ça plein de fois, finalement. Oui, c'est vrai. Ça fait trop de... Ouais. On va aller là-bas. Mange-moi. Ne va pas manger Guillaume. Pitilou. Blam. Yes. Est-ce que l'autre peut bouffer son pote maintenant? Ce serait bien. Au lieu de Guillaume, il est tout près, il est juste à côté. Ce serait bien qu'il le mange pas en vrai. Oh, moi je rigole, s'il se rapproche, je bouffe tout. Ça serait très cool. En vrai, ça serait vraiment cool. Genre, ça mais qu'il peut. Genre, il bouffe même pas le glutoblob et qu'il se rapproche, il bouffe tout. Attention, bien, le matin. Moment de vérité, c'est maintenant. Oh, c'est Guillaume. Oh. Bon. Eh bien, vous savez quoi, le temps que vous finissez, je vais chercher une boisson chaude. Eh bien, une chaudasse. Une chaudasse. Je prends quoi comme thé? Ça dépend de quoi. Oh, beaucoup trop. D'accord, ça a l'air bon, ça le goût. Il y a du plus classique, il y en a plein, au plus original, il y en a plein, mais un peu moins plein. Plein. Citron, caramel, vanille, menthe, fruits rouges, Earl Grey, framboise, sureau, verveine, mais c'est pour plus tard la verveine, miel, etc. Merci. Grenade. Mais je crois qu'ils attirent plus, hein, sans déconner. Bon, on dirait. Hein. Ils viennent au cac pour te manger. Ou alors c'est que les gloutovores. Ah, c'est peut-être les gloutovores. Comment ils arrivent à faire... Une tisane de caramel, c'est pas solide, enfin je veux dire. Hein. Le but c'est qu'il est faible, non? Enfin, tu vois. Je comprends pas. Là t'as fait une connerie là. Non, ouais, ils attirent pas, ouais. Damn, Daniel. Oh putain, on a quand même 1000 PV en enlevé à l'autre con. Et comment je fais moi maintenant? Mais tu le 54, toi. Déjà, oui, quoi? Tue celui à 54. Tue le 54. De... S'il te plaît. Oh merde. Ah oui, mais je peux faire que ça, j'ai que du corps à corps. Voilà, c'est. Qui va-t-il tu manger? Peux pas faire une carotte. Non, mais merci. Va manger Eric. Mais putain, mais quel enfoiré, j'étais tranquille. Je te déteste, wesh. Putain, j'ai une idée. Tout est PM. Oh, t'inquiète, ça va être fait. Ah, désolé Draken, j'avais pas vu ton message.
Non, du coup, je et suis on pas s'en va. Oui. c'est tout. Il est complètement con. Je suis parti sur framboise sur eau hibiscus. Ça a l'air bon ça. J'en voudrais bien moi du framboise sur eau hibiscus. Blap. On dirait un peu la voix de. De Lumpy Space. Oui, mais. Attends. Anaglob! Anaglob de Samantha! Oh my blob! Oh my blob! Attends, je touche à 4 cases. Tentative. Merde. 1! C'était nul. Il m'avait promis 190 de dégâts. j'ai un souci. Pas tout est PM. Si, ça s'est fait, c'est lui là. Bloque-le. Attention. Oui. Oh, oh mais c'est moi. Il est nul ce jeu. C'est bon, il m'a pas mangé. Il a eu peur de moi. Oh la vache, on s'en fout. Tout TPM, on a gagné. Ni les trop raviolis. Ah, putain. Ça va les niveaux 63 oui. J'ai fait une connerie, mais t'étais pas là quand je l'ai expliqué. C'est... Ah, j'ai un Volcorn. Et oui. Ça sera pour la panneau 80-90. Oui, donc là pour l'instant, j'ai mon Koalax Sanguin. Ah. J'ai mis quand même mon Volcorn à 90 et j'ai fait l'erreur de me dire après putain quand même je prends des niveaux c'est pas normal. Et j'ai compris que trop tard qu'il faut que je mette mon Volcorn pour lui mettre 90. En plus il est beau mon Volcorn, je vais te le montrer, regarde. Il s'appelle Mycorn. Il faut que tu l'équipes. Oui. Oui. Il faut que je faut monte dessus pour lui donner 90. Faut que tu, faut que tu montes dessus, putain, ouais. Ok. T'es prêt, regarde comme il est beau. Berk. C'est non, oui, Berk, tu l'as même pas vu quoi. Le mec a dit Berk avant que je l'active quoi. Je l'ai vu une frame et j'ai dit Berk. Un salaud. Ah mais d'accord, je ne comprends ce que tu parles. Je pensais depuis tout à l'heure tu parlais de volcan et je comprenais pas. Non, le Volcorn. Oui, mais d'accord, parce que du coup je comprenais la référence à Mycorn par rapport au volcan parce qu'il a un caractère assez volcanique et assez sanguin justement. Oh mon dieu. Et voilà, c'est... Bref. Non mais c'est pas grave. Mais c'est Mycorn le Volcorn. Alors maintenant il faut parler à Bibi Blop. On parle à Bibi Blop. Il faut lui demander c'est le Coco Royal. Ah c'est le chat noir. Il est où? C'est pas un chat. Alors, choisir la salle du Blop Coco Royal. Et je Coco. Mon là on vient de faire griotte, c'est ça? Alors. Non. Tu veux t'expliquer avec Coco Royal? Oui je l'explique. Pour le donjon blob, en fait, il y a 4 couleurs. C'est, tu l'as vu, il y avait des blobs coco, il y avait des blobs griotte, des blobs indigo et le blob. J'ai oublié. Renette. Merci Renette. Et en fait, pour ce boss, tu peux faire 4 boss, donc avec ben, le coco, le indigo et tout ça. Sauf que ben, de commencer avec le coco, moi ça m'intéresse pas parce qu'il va avoir 100% de résistance en air. Voilà. Et quand on aura fait les 4 éléments, on pourra faire le blob. Comment il s'appelle? Le blob royal ou le multi-blob royal? Multicolore royal. Le blob multicolore royal. Voilà. Donc là, en gros, on fait une partie du donjon, puis on fera revenir par la suite plus tard. En fait, les 4 premières salles sont communes, et à la fin, tu choisis un des 4. Un des 4 boss. Blob royal. En gros, il y a 4 boss finaux et on en choisit un. C'est ça. Ouais, il y a 4 boss finaux et à la fin il y a un méga boss final, si tu préfères. Oui, ok. Qui est niveau 120, donc on va pas le faire maintenant. Non. Ah oui. C'est pour ça qu'après on va partir sur les Wabbits. Et toi aussi dans le chat, tu arrives à suivre, mets un pouce. C'était très efficace. Qu'est-ce qui était très efficace? Mon explication ou... Non, non, il parlait de ton attaque tout à l'heure. Eh merde. On y va? Ouais, on est parti. Alors, Jake, le blob royal,
peut invoquer n'importe quel blop. Donc s'il invoque un glutoblop... Il faut pas se mettre au cac. J'en suis ravi. Oh, je vais tellement me faire chier, là. Ah si, je peux taper sur le tronco et le blopignon. On essaie de faire des succès. Attends, c'est quoi le succès, d'ailleurs? Un flûte. Oh, t'as pas regardé. Un flûte. Succès. Flûte. Qui dit ça? C'est duel et pusillamine. Oh. What the fuck, quoi? C'est quoi, pusillamine, déjà? Ah, mais c'est les quatre qu'il faut faire comme ça? Oui, oui, oui. Oh, merde. Pusillanime, c'est ne doit pas terminer leur tour sur une cellule adjacente à un adversaire. Donc ça, okay, c'est facile. Duel, par contre, c'est dès que tu tapes un monstre, eh ben, il faut que tu le finisses. Ouais, bon, statut de ta race, et chacun de son monstre, on peut le faire, si vous voulez faire l'autre. Il invoque un biblop, on a tellement de cul. On a tellement de cul. Donc en fait, ce que je propose, c'est que Thomas... Ah mais non, c'est du corps à corps. Il faut pas finir au corps à corps. Bon, je me prends le royal. Ouais, prends le royal. Thomas, tu prends le coco. Ouais. C'est plus facile de l'achever vite. Guillaume, tu prends le bloc. Qu'est-ce que c'est ? J'avais oublié le bruit des royaux. Donc Guillaume, tu vas taper que sur le bloc pignon et moi je vais faire le tronco. D'accord. C'est très bien celui-là. J'avais complètement oublié. Oh la vache. Ils sont trop drôles ces monstres. Je les aime trop. Tu vas terminer au corps à corps d'un adversaire. D'un ennemi. Ouais. Oui, oui, tu peux te coller aux alliés. Ouais, colle-toi. Colle-yoko. Non. Bon, mais tu vas pas pouvoir toucher ton bleu pignon, toi. Fais un tour de boost. Booste-toi. Fais les décors. Et ne mets surtout pas le chaton. C'est tout ce que je te demande, s'il te plaît. La roulette. Carte de dommage de pousser. Très belle poussée. Et la carotte. Et Martin Jardine. Ah, très bien, on a de la vision maintenant. Oh. Un blop. Pourquoi le blopignon prend pas de dégâts? Ah, je m'en fous, c'est tronco. Je vais faire une connerie, moi. Personne ne le verra. Je m'en vais. Parce qu'il a 100% de résistance R. C'est peut-être pour ça que je faisais 0. Il a 130 de résistance R, même. Est-ce que t'es ta clé? Ah oui, t'es ta clé. C'est pas cool, ça. Tu peux faire un... Blop. Il est trop bien, putain. Il a tellement de vie, par contre. Ouais. Va falloir qu'on te booste ta barre. Va falloir booster. Attaque en zone. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Je crois que Guillaume va être bloqué s'il fait pas l'IB. C'est le problème. Bah je passe, hein. Désolé pour toi. La roulette. Ouais, la roulette. Je pense malheureusement que tu vas devoir l'IB en premier et après taper le blopignon. Et... Attends, je cherche où c'est. Te barrer. C'est le sort orange avec des vagues. Okay. Le wifi. Plein de wifi. Ah, mais c'est bon, tu me dis orange, c'était très bien. Ok, ça me va. Parce que Kawatozi, c'est orange. Ouais, c'est vrai. Ah, pourquoi tu t'es collé à lui? Ah, attends, j'ai pas fini. Ah si, là, t'as fini. Fallait pas se coller à lui, tant pis. J'ai pris trop de temps. C'est pas grave. Ça m'arrange, comme ça je pourrais faire du cac. En vrai, ouais, ça t'arrange toi. Ah putain, je peux pas toucher l'autre là-bas? Alors, le calcul de la... Alors, 1, 2, 3, il faut que tu te mettes à ma place, non? 1, 2, non. Non, là où t'es. Là. Non. Là, peut-être. Ah bah non, je sais pas. Là où t'étais, c'était pas bien? Bah apparemment, non. Au fait. Non, je crois que c'est à ma place, il faut que tu te mettes à ma place. T'es sûr? Non. Bah non.
Mais qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et taper le tronc. Ah! Oh mon dieu, il est trop con. Je sais pas, t'aurais pas pu faire un autre. Qu'est-ce truc que tu veux faire, mon? Bah non, sans ligne de vue, je fais comment, patate? Un peu plus, je sais pas, un bouffe-tout. Oui, j'ai que ça à foutre. Sachant qu'on tape chacun son monstre. Aïe aïe aïe. Vas-y, rapproche-toi du globe coco. Rapproche le lanceur de sa cible. Eh bien voilà, c'est bien ça, le rush. Et maintenant tu lui détruis les fesses. Terre. Ah mais t'inquiète pas. Hein. Ah, il y a un truc. Guillaume, il y a une erreur sur ton message que t'as écrit. En fait, c'est pas tout à fait une erreur. C'est parce que c'est mon clavier qui a pas compris qu'il fallait appuyer hyper fin. J'ai la touche qui a mal fonctionné. D'accord. Parce que sinon. Mais après... du coup, c'est très drôle, je trouve. Ouais. Vous pouvez soutenir Ivasan Studio en faisant un don sur Hell Asso. Genre l'association de l'enfer. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Quoi? Mais fallait pas toucher le tronco! Le châle! Pardon. Eh ben tant pis. Ben maintenant chacun touche qui veut. Ah mais il est là, d'accord, putain. Là. Tu pouvais pas toucher le pigeon plutôt? Écoute, là je fais ce que je peux, d'accord. Vous êtes tous devant, j'ai aucune ligne de vue, vous démerdez. Sachant que le blopignon, moi, c'est 130% d'air, non, je ne peux pas faire quelque chose dessus. Aïe. Blab. Blab. Ah, putain. Ouais, ouais. T'es, mais ils ont fait une refonte des sacrières, j'ai même pas regardé ça. Mais pourquoi t'as pas fait ça? Bla 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 bla. Ah, ça y est, on l'a enfin entendu. Il l'a fait. C'est pas trop tôt, quoi. Mais ceux qui ont enregistré ces bruitages, ils ont dû tellement s'éclater. Ah, mais je pense que oui. Ils sont trop bien, les blobs. C'est pour ça que j'ai dit que c'était les meilleurs du jeu. Il y a Cannibal aussi, j'ai bien aimé. Alors, les blobs. Les gelés aussi, ça va être pas mal. Enfin, le donjon, je veux dire. Et je peux toucher le tronco? Oui, je peux, parce que regarde, je perds juste un PA, mais j'en ai rien à foutre. Meurs! Aïe. Ouais, même pas. T'imagines trop Jean-Michel, un peu plus niais, le blob blob. Il y a Schwarz Wolfez qui dit bonsoir, bon, Charles Wolf, c'est marrant. Longtemps. Ah, j'ai complètement oublié le blob blob, tu vois. Blob. Mais ça sera peut-être le blob. Blob. Le Bork en plus. Oui. Donc on verra, ouais. J'ai mal, là. Je crois que j'ai mal dit son prénom. Schwarz Wolfez. C'est comme le Swarovski, bon, mais avec Schwarzy. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas passé, lui. Je sais pas. Je te comprends. Il se... Oh, mais t'es sérieux? Quoi? Je trouve ça très drôle. Ah d'accord, il dit que bonjour à Jake de toute façon, donc ça doit être son chouchou. Voilà, c'est bon. Alors mute pendant. Alors je te démute, t'inquiète. C'est une blague, je vais pas le faire. Genre, non, c'est juste que je rajoute du sel. Tape le truc devant toi, le blopignon. Jake, oui, tue le tronco blop. Ou le tronco. Ah bah, comme tu voilà. Veux. Ouais, c'est pas grave, de toute façon je vais le tuer. Il m'a tellement gonflé que je vais tous les éclater. C'est pas vrai. Bon, déjà, toi, ça suffit. Voilà, m'a gonflé. Et maintenant, tout le reste. Attention! Ouais!
aïe. Je vais mourir. Imagine Stéphane Bern faire ces bruits-là, en fait. Oh, Stéphane Bern. Quoi? Je sais pas pourquoi Stéphane Bern, mais c'est pas mal. Bah, parce que là, un peu la voix... La royauté. Aristocratique, comme ça. La voix de la royauté. Blap. Bon, on va faire un truc, hein. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que ça commence à faire mal? Avec YOLO Village. YOLO Village. J'ai quelque chose pour vous, si vous voulez. C'est voilà. Quoi ça? C'est mon pachimari. C'est quoi déjà un pachimari? C'est un espèce de navet. Un navet poule en... C'est trop stylé. Bordel. Dans Overwatch. Ça ressemble pas du tout à ce que tu penses, alors calme-toi. C'est le poulet? Non, c'est le petit lapin rose. Oh oui! C'est quoi ça? C'est le lapin rose! Je suis tout petit! Pourquoi je suis tout petit? What? Pourquoi t'es tout petit? Je sais pas! Il est rentré dans le truc des... Mais c'est quoi ce bug? Je sais pas! Lâche ce bâton Rikiki! Mais pourquoi je suis comme ça? Oh merde! Oh, j'en peux plus, j'ai mal! Alors là, j'ai rien compris. Moi non plus, je suis Rikiki! Mais genre, c'est plus petit que la baguette Rikiki, ça en fait. Il se passe des trucs dans le jeu, c'est pas normal. Oh la vache. Oh merde. J'ai mal au bide. Ah, des dommages de poussée. Mode créature Rikiki alors que nous on est en mode normal. Hein. Mais ouais, mais je comprends pas en fait. Oh non, la pauvre roulette. Elle a pris. C'est marrant parce que quand je me mets en mode créature, t'as une taille normale. Ouais, et la carotte a une taille Rikiki. Oui, ben ça, c'est normal. Guillaume. Mmh. Le biblop, c'était une invocation. T'étais pas obligé de le taper. Mais en fait, soit si je tapais ça, soit je tapais rien. Bah si, tu tapais le blob coco. Bah non. Bah si. T'es en diagonale. J'ai. Mais toi, y'a qui pour? Putain, mais je comprends plus, il y a une de vue, moi. Sans déconner. Comment il se déplace, quoi? Oh merde! J'avais en miniature, du coup, il faisait du moonwalk. Mais oui! Il fait du moonwalk de base. En, comment ça s'appelle? En mode créature. Oh, même en normal, pour moi. Oh la vache. Bon, est-ce qu'à la fin du combat, tu vas retrouver ta taille normale? Je sais pas. J'espère quand même. On a gagné. Ah, tu vois, là, on a un morceau de clé coco. Et si on fait les trois autres boss, on aura les autres morceaux de clé correspondant à leur couleur. Mm. C'est bon, je suis normal. Oui, c'est bon, t'es normal. Et on sort du donjon. C'est où la sortie? Tu parles au PNJ et tu ne fais pas utiliser le trousseau de clé. Tu peux sortir du donjon. Aïe, aïe, aïe. Faut aller voir à l'index. Oui. Il est à la taverne d'Amakna. Loin. Il est où? À la taverne d'Amakna. Oh, ça, là. Oh putain, oh, c'est tout des connades, quoi. Village d'Amakna. Oui. C'est 2-1. Le moins 1, c'est en haut. Qui n'est pas lui. Ouais.
Dwick. Fiara vient de passer niveau 64. Ouais. 4, putain. Non, 64. 4. Niveau 4. Oh, 4, putain. Demander une nouvelle mission. Ah, mais maintenant, faudra faire l'indigo. Eh ben. Oh. Et que faisons-nous? Bon, déjà, on va attendre Guillaume. Le premier, mais on est sûr. Alors, c'était pas de ce côté. Gauche. Tiens, c'est où? Monture, niveau 98. Bah, je suis dans la taverne. C'est à gauche. En entrant à gauche. Je suis parti à droite. Je savais pas que tu partais à droite. Bah. C'est trop tard. Je vais avoir un PA en plus si elle est niveau 99? Non, c'est. Oui. Ah, c'est bon. J'ai une nouvelle mission. C'est le fun d'aller faire 4 allers-retours à l'index pour faire 4 fois les blocs. Ouais. Sauf qu'en fait, on sait pas si on continue sur le donjon ou si on fait les 4 d'alignement, apparemment. Qu'est-ce qui rapporte le plus de dictées? Les deux. Ah. Les deux. Mais quête d'alignement, c'est pas chacun de son côté. Tu dois acheter 10 épées de boisaille et tout, là? Si. Mais t'inquiète, il a déjà tout prévu. Ah non, j'ai rien acheté. Bravo, bravo. Zéro effort. Pourquoi j'ai pas un compte niveau 200 là? Tu me l'as pas monté? Lol. Donc on fait quoi? Ça vous dit de commencer avec Adagno? Non. Il a dit non. Il a dit non. Guillaume, mais apparemment, elles ont changé les 4 alignements, elles nous forcent à faire des donjons même. Oui. Enfin, si c'est au bout de la 15ème étape. Si c'était au 16ème étape. Ben, c'est qu'il va falloir le faire en fait, à un moment donné. Oui. Après, ah après, bon fin. C'est vrai qu'on n'a pas préparé. Si on préparé quoi préparer, ben, on aurait pu préparer tout ce qui est épée et tout ça. Quoi. Du coup, ah, on fait quoi à Bonta ou Brakmar? Eh ben, c'est une bonne question. Voilà, ça déjà, faut décider. Bon, ben, en fait, on va repartir sur un donjon, je pense. On va faire non, mais sans déconner, on va faire le Indigo. Oui. Et quand on a fini, on en parle jusqu'à la fin du stream ou alors après stream vite fait, quoi. Vu l'heure. Allez. Allez, on fait ça, on repart sur un donjon bloc. On remonte voir les blocs? Ouais. Non, enfin, il va te téléporter, je pense. Hein. Oui, j'y vais. Ou alors c'est peut-être Guillaume qui va nous téléporter. Je sais même pas comment on téléporte des gens. Bon, d'accord. Pourquoi t'as pris le zap, Guillaume? T'as dépensé 410 kama. Bah, en fait, ça veut dire cliquer avant même qu'on dise téléporter. C'est pas grave. Tu voulais qu'il fasse comment? Bah, que je le téléporte. Ah. Bon, bah, en attendant qu'on fasse le donjon. Alors, une nouvelle explication pour Guillaume. Et là, j'ai bon, une ça va question aller... après. Hein? J'ai une question après. Ça, c'est sur quoi? Sur un atelier d'emballage de cadeaux. À la foire du troll? Je sais pas, je vois un cadeau sur la map et c'est la première fois que je le vois. Pour emballer des cadeaux. D'accord. Tu prends une ressource, tu l'emballes avec un emballage et tu peux l'offrir à quelqu'un. Tu l'emballes avec un emballage? Oui. C'est bon, on est déjà devant. Mmh. Pardon. Mais Giro ne respecte pas les conditions pour être invité. Vous êtes entré? Oui. Faut donner la clé? C'est pour ça oui, que faut donner la clé. C'est la seule question que t'avais? Mmh. Ok. Guillaume, ça va aller très vite. Hein. En gros, est-ce que tu préfères qu'on passe côté ange ou côté démon?
Pourquoi c'est moi qui décide? Ben, parce que tu connais pas, donc tu veux qu'on passe côté ange ou côté démon. Après, on peut très vite résumer ça, hein. Côté alliance ou côté horde? Ben, alliance. Eh ben voilà, on est les anges. Oui. Après, on peut faire deux Bonta et deux Brakmar. Attends, mais tu imagines pas le bordel après? Ça va être vachement bien. Non, mais du coup, on peut pas être neutre? Si, là, on est neutre. Mais après. Ça va rien changer. Oui, on va pas se faire agresser par les joueurs. Joueur contre joueur, voilà. Non, mais sauf ça, je m'en fous. Tu veux faire du joueur contre joueur? D'accord. Ok. Bon, on va passer ange. Enfin, Guillaume a voté ange. Non, en vrai, je m'en fous, hein. Oui, je sais. Quoi, cette map débile? Attends, ici. Toi, tu votes alors, quoi, tueur à gage. Moi, je voterai... je dirais... Et le chat, il dit quoi? Bah, ça fait depuis 2006 que je joue ange, donc démon. Non, je déconne. Bon, t'as rien. Eh ben, tous bon taille, c'est parti. Sinon, c'est le chat qui peut choisir en faisant un gros don. Bon taille, c'est plus joli la ville. Ça, c'est pas faux. C'est vrai. Parce que Brakmar, c'est Looseland, hein, sans déconner. Pour les mêmes raisons que Jake, bon taille. Mais j'ai rien choisi, en fait. Si t'as dit ange. Non, j'ai dit je m'en bats les steaks. Mais c'est pas cool, il faut que tu t'investisses. Ben je m'investisse en disant je m'en fous. Je m'investisse, mon Dieu, quelque chose de français. Je vais tiens, voilà, pour la peine. Martine. Martine Jardine. Et puis il y a les champs à côté pour Yaki avec son métier de paysan. Bon, ça, on s'en fout en vrai, mais... Bah, à Brakmar, il y a les mines. Hein. C'est vrai. Bon, les champs, je le fais dans mon coin et en ce moment, je passe plus du. Je suis beaucoup plus dans les coins de bouffe-tout qu'autre chose. Putain. Mais attends, je vois ce que t'as marqué de raquette dans le chat, mais tu connais Dofus en fait? Enfin, tu t'y as déjà joué? Apparemment. Il a dit oui, d'accord, ok. Il a dit oui. Il a dit oui. Alors que le blopignon ne veut pas mourir. C'est ça. J'ai beaucoup joué sur Dofus Touch. Ah. Oh, c'est quoi tous ces PM que j'ai là? Ben, c'est la roulette. Tu fais vachement bien le mec qui arrive quand même. Mais là, c'est quoi cette porte dégueulasse? Sacré level 100. Oh. Ah, j'ai une autre question. Oui. En combien de temps de jeu peut-on être niveau 100 sur le temps par rapport au niveau qu'on est là maintenant? Tu prends des pare-chocs grâce aux 6 milliards de louis et c'est bon, tu l'es en... Lol. Bah, dès qu'on donnera plus d'XP au Volcorn, déjà, on va beaucoup... Oui, ça va augmenter plus facilement niveau. Prendre de niveau. Il est niveau combien, d'ailleurs, ton Volcorn, Guillaume? Je sais pas... Ok... Je regarde. Si je... Déjà, faut que je retrouve où est-ce que c'est. T'as un onglet monture. Putain, okay, mais il y avait caché là en combat. Ma monture est niveau 66. Et elle est toujours aussi stérile par rapport à la dernière fois. Elle va rester longtemps. Je pense pas que ça bouge, ça. Ah, on peut lui donner un nom. Bah oui, c'est pour ça qu'on l'a dit. Ça s'appelle Doré Indigo G3.
Oui, c'est parce Quoi? que il s'appelle Doré Indigo G3. C'est pour les mecs qui font de l'élevage, c'est beaucoup plus intéressant de mettre la génération et tout, parce que pour l'élevage de monture, en fait, t'as toute une histoire de généalogie. Donc ça va les intéresser de garder ce trait-là de Doré Indigo ou alors de partir sur autre chose. D'accord. Ah, ce violet, c'est indigo. D'accord. Alors, sur Dofus Touch, c'était beaucoup plus facile de monter vu que c'était une version précédente du Dofus actuel et surtout, tu pouvais payer pour jouer XP plus rapidement via les questions. Schwarzwolfsvez qui dit puis, si vous continuez à faire des donjons, vous allez monter vite. Oui. Bon, on essaie de faire un peu la quête des donjons, en vrai. C'est, on a commencé avec avec Astrub et ses quêtes pourries parce qu'on voulait le Dofus et commencer le jeu, quoi, tout simplement. Et puis là, ouais, c'est vrai qu'on est beaucoup plus sur les donjons. Faire les quêtes d'alignement, moi je trouve que c'est une bonne idée en vrai. Parce que ça peut filer pas mal d'XP, au final. Surtout si on... Surtout si les quêtes disent, bah, va faire un donjon... Si le donjon qui dit, ouais, va faire un donjon blob, bah, on valide au moins 2-3 quêtes, quoi, en même temps. Il n'y a pas besoin d'aller faire 10 000 allers-retours à la con, quoi. Donc voilà. Mais les quêtes d'alignement dans ce cas-là, ce que je vais faire et ce que je pense ce que tu vas faire aussi lui, parce que je sais pas si je vais y arriver tout seul, c'est déjà trouver un site qui les répertorie, si elles ont pas changé. Ça fait, j'ai déjà. Ah bon, bah, pour pouvoir préparer les ressources et tout pour aller beaucoup plus vite. Ah oui, t'inquiète pas, ça. On va faire ça. On va faire ça. Ouais. On va faire ça, ça sera beaucoup plus simple que de courir partout. Oui, moi j'ai besoin d'une épée, et moi d'un trèfle, et moi d'une boîte de raviolis. Ah, ça va. Mais. Tu le renettes, Thomas? Pourquoi? Ben, on a un châle. Oh, ben je peux plus. Attends aussi. Evelyn. Et maintenant, le coco. Génial. J'adore ma vie. Ah, là. Là. Arrête de le soigner en plus, bordel. Tiens, tu vois, ça fait pas de dégâts. Question chat. Mais t'es encore petit. C'est quand tu sors. C'est quand tu lances un sort, c'est pas possible. C'est quand je deviens un bouffe-tout, je viens de remarquer. En plus, il a pas plusieurs alignements, culte à Bonta. Si, il y a les soigneurs, il y a les observateurs et. Je sais plus quoi. Genre, tu deviens disciple de telle personne. Disciple de telle ou telle personne, je sais pas, c'est juste en fait par rapport au. Au JCJ et surtout à l'Alliance versus Alliance, c'est t'as trois arbres. T'as le guérisseur. Tu le tues? Oui, t'as pas tué, donc oui, tu peux tuer. T'as le guérisseur. Je sais plus. L'espion. Ouais, l'espion, et je sais plus quoi. Ah, ordre du cœur vaillant, ordre de l'œil attentif et ordre de l'esprit salvateur, c'est ça. C'est ça. Donc c'est vrai qu'il va falloir qu'on... Après ça, ça... Si, les quêtes changent en fonction de ce qu'on fait. Comment à ça à ce niveau-là. À partir de des ordres, je crois que ça change. Ah, les quêtes des ordres, oui, ouais. C'est en fonction de l'ordre que tu prends, oui, c'est pas les mêmes quêtes. Non, en fait, je vais rien faire. Pourquoi? Bah, il y a le challenge. Ah, oui, Eric, t'as pas tué, toi. Ah, d'accord, je pensais que je l'avais fait. Okay. On a gagné. Oh, Jack, t'as droppé une purée pick fail. D'accord. Encore en à combat. L'origine synonyme de l'échec culinaire, ce plat est donné dès qu'une erreur se fait sentir, quelle que soit son origine. C'est très drôle. Très bien. Merci Dofus pour les nobles. Heureusement que les gens sont là. Donc ouais, va falloir mais je crois que oui, les quêtes changent en fonction de l'ordre que tu prends. Oui. Donc va falloir se mettre d'accord.
Déjà, les quêtes d'alignement sont communes à tout le monde. Oui, ça oui. Mais juste les quêtes désordre qui sont... Ah, ben on peut choisir chacun son ordre et après repartir sur les quêtes d'alignement tranquille. Je sais pas. Non, la première quête d'ordre est à partir de la quête numéro 20 d'alignement. Ok. Ça va? On te fait chier, tu le dis, on ira plus vite. Vous me faites chier. Pourquoi le mec s'appelle WV? C'est complètement je sais pas. Dans ce cas-là, tu l'appelles juste W et puis voilà. Putain, qu'il est con. Lui. Je suis pas prêt. T'es pas prêt? Il est pas prêt. Ah bon? Excusez-moi, je crafte pas de pain depuis longtemps. Tu manges quoi, une carotte? Oui, je mange une carotte. C'est pas utile pour cuisiner ça? Qu'est-ce qu'il y a, Thomas? Ça se cuisine pas, une carotte? Non, c'est une attitude. Ah, ok. Je croyais que ça redonnait de la vie. J'ai dit que j'étais pas prêt, hein, c'est pas grave. Oh, ça va. Il te manque quoi, 5 PV? Ah non, ils sont tous réapparus d'un coup. Putain. Bon, ben alors, faut pas se plaindre. Mais quel casse-couille. Il me manquait genre 50 PV au moins. Oh la vache. Bon, on est obligé de faire un challenge, là. Dans le chat, ça dit que il y a 100 quêtes d'alignement. Oui, il y en a 100. Plus 5 quêtes d'ordre. 100, oui, oui. Bon, on va pas faire les 100 maintenant, hein, t'inquiète pas. Hein. Non, surtout que les dernières sont niveau 200. Je me doute et j'espère bien. Jake, t'as acheté Animal Crossing? Non. Oh. Non, j'ai beaucoup hésité. Au final, non, il y a un truc qui me dérange beaucoup dessus, donc non. C'est quoi? Bah, l'histoire, c'est un jeu qui est quand même axé enfant d'origine. Et l'histoire de forcer les gens à faire un prêt de la monnaie du jeu, je trouve ça vraiment très malsain en fait. Et ça me dérange. What the fuck? Ne restez pas collés tous les deux, merci. C'est un jeu assez enfantin et il y a une notion d'argent, c'est ça ton problème? Non, le problème c'est que dès le début, tu dis hey, regarde, je te fais un crédit. Quoi? Ouais. Il y a de l'argent. Beaucoup de jeux, il y a de l'argent. Non, mais c'est pas le souci qu'il y ait une monnaie du jeu. C'est le souci qu'on te force vraiment dès le début du jeu. Tiens, je te fais un prêt de cette monnaie-là et tu dois rembourser par la fin. Et en plus, c'est un prêt renouvelable. Et vraiment, ils te forcent à faire ça. Ah non, parce qu'en fait, tu as l'amélioration avant de rembourser ton prêt. De quoi? Pardon, je sais pas. Avant de rembourser ton prêt. Donc, tu as ton truc, et après tu peux mettre autant de temps que tu veux à le rembourser. Oui, ça, d'accord, mais ça tu as quand même cette obligation d'avoir le prêt. Tu n'as pas le choix. C'est un jeu. Enfin, je veux dire. Bah, ça me dérange. Ça te dérange pas d'être obligé de tuer des monstres pour monter du niveau dans d'autres? Absolument pas. Non, c'est vraiment un système vraiment, enfin, c'est pas vraiment pas des valeurs auxquelles je crois, mais ça me dérange vraiment beaucoup. Donc, on comprend, t'es de gauche. Oh oui. Ah oui, là, clairement, on inculque directement aux gamins ce système plus que capitaliste à ce niveau-là, tu vois. Et tu là, n'es pas un gamin. Tu sais faire la différence entre un jeu et la vraie vie. Moi oui, mais le gamin non. Mais t'as un gamin que tu vis avec un gamin? Oui. Non, et si oui. C'était le cas, je me poserais la question. C'est trop tard maintenant, c'est oui. Et je te présente le petit Wigfried. Alors si jamais un jour j'ai un gamin, je ne l'appellerai pas Wilfried.
Comment tu veux l'appeler? Oh, j'ai plein d'idées en tête. Jean E2. Non. Non. Non, non. Tu peux l'appeler Jean tant le loup, le renard et la fenêtre. Oh, bordel. On a bien vu Draken. C'est tout? Et blou 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 blou. Allez Jake, tue-le. Je sais pas si je vais réussir à lui tuer la main. Hein. J'ai eu un coup de cac. Je sais pas si tu tapes plus fort avec le cac. Ah bah voilà. On peut plus de lui. Non, Jake, purée, mais... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Fallait pas finir à côté d'un allié. Mais c'est... Putain de roulette de ces morts de merde. Putain. J'avais oublié que ça comptait comme un allié en fait. Eh ben c'est pas grave. Mais et du coup pour la carotte ça compte comme un allié. Et oui. D'accord. C'est rouge. Yes, c'est vrai. Rouge, hein. À ce niveau-là, ouais, t'as le droit de dire pour ça. Pour moi c'est des trucs inanimés, non vivants, voilà, c'est des objets. Et c'est oui pour mais ça, ça reste un allié. Ok, ok. Ça reste une invocation alliée. C'est rouge. Bon, prêt à vous faire gober. Non, j'ai pas envie. Jamais je me ferai gober. Jamais. Non. Et là. Twink, twink. Oh, attendez deux secondes. Ok, 99. Tudututut. Ok, il est loin. Ça me rappelle. De toute façon, plus, ouais. Il nous gobe pas. C'est bon, il attire plus, on peut rester devant. On a découvert le jeu, c'est bon. Bon, faut le focus par contre, hein, comme ça, on voit. Ah bon, j'aurais dit l'inverse, moi. Merde, je suis. Putain, t'es chiant. On fait partage? Si gobe ses alliés, on pourra pas faire un partage. Ah merde, c'est vrai. Ah ouais. Ah bah, ouais. C'est pour le buter dès le début. Ah bah ouais. C'est super efficace. Blab. Blab. Attends. Ok. Blah. Bah si il gobe un allié et que l'un de nous meurt. Mais quel charlatan celui-là. Vas-y teste. Ouais on te regarde. On va dire que je suis pas le plus près du glouton. Moins 300. Écoute, je fais des dégâts maintenant. Vous allez pas vous en plaindre. Hein. Avant, c'était une ligne numérique. Ouais. Ça, c'était avant. Au revoir. Oh, mais c'est une dame, quoi. Mais... Bon, j'arrête de jouer, c'est pas possible. Hein. C'est vrai, tu vas arrêter de jouer? Tu vas passer à un autre jeu? Non. Mais dit-il avec son putain de Splatoon, quoi. Excuse-moi, j'ai attends, plus non, de... mais là maintenant c'est bon, il va jouer au jeu des ninjas, c'est presque pareil. Ninja là. Voilà. Ninja. Oui, c'est Splatoon, mais avec des ninjas. Splatoon avec des ninjas, c'est très bien pour le jeu. J'ai combien hey, d'heures Jack, tu veux goûter au Animal Crossing. Animal Crossing, j'ai hésité, je me suis dit je le prends, je prends pas, je prends, je prends pas, et puis je me dis j'ai tellement des jeux où je farm que là j'en ai un peu plein le cul. J'ai 120 heures de jeu sur Animal Crossing. Ouais, et 120 heures de pêche.
Et on va pouvoir faire partage. Ouais, je vais prendre le tronc au blob, s'il vous plaît. Je vais lui mettre un coup d'arc dans la tronche, il va pas comprendre. Hé, hey, monsieur. Elle est bien, cette panne, j'aurais dû le faire depuis le début. Ça tape quoi? Je tape R. Ça tape, en fait, mon arc qui fait... Mon arc, il fait 5 à 12 de dommages R et 4 à 5 de vol R. Donc il tape vraiment très fort. Allez, Thomas. Plus, moi, je suis pas du... critique de dessus. C'est n'importe quoi. C'est, cet arc, c'est vraiment une tuerie. C'est incroyable. Il tape vraiment trop fort. Aïe, aïe, aïe. Comme disait Grégory Le Marchal, je suis en vie. Oh. Non. C'est non. Quoi? Parce que c'est pas vrai, il est mort. Oui, mais il a chanté, je suis en vie. C'est pas ça, vrai, ça a pas duré si longtemps que ça, son single. Hein. Et il a fait un carton. Non, il est dans un carton maintenant. Oh putain. C'est pas gentil, j'arrête, promis. Je sais pas, parce que c'est quand même rigolo. Et les cercueils en carton n'existent pas encore. Aidez en moins. Fouiki, fouiki. Aïe, aïe, aïe. C'est trop drôle, ce truc. Le poulet, quoi. Oui, c'est pas gentil, mais c'est drôle. On est d'accord. L'humour noir, parfois, c'est drôle, et parfois, ça l'est pas du tout. Et quand ça l'est pas, ça l'est pas, mais alors du tout. Hmm, d'accord. Louis, perdu, Louis. Oui. C'est à toi de jouer. Mais c'est à toi. Non, mais je réfléchissais si on faisait un chat. Ah, d'accord, je me suis dit, ça y est, il a pété. Ah oui, intouchable. Mais on n'est pas obligé de faire les châles maintenant, on a fait. Jojo. 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 T'en es où alors? Eh ben, j'ai fini tout ce qu'il y a sur Netflix et apparemment, il y a la T'as suite. T'as fini Netflix? Oui, j'ai fini Netflix et j'ai fini Pornhub deux fois. Donc je disais. J'ai fini Jojo sur Netflix, donc la saison 1, 2 et 3, parce que là, en fait, la 1 et la 2, c'est la première. Sauf que... La 2 falloir... et la... La non. 2 et la 3. Non, la 1. La saison 1 avec Jonathan, la saison 2 avec Joseph. Jotaro. Non, Jotaro. Joseph. Putain, tais-toi, je sais ce que je dis. Donc je disais... La saison 1 avec Jonathan et la saison 2 avec Joseph, ils l'ont combiné en une seule saison sur Netflix. Et la saison 3, c'est avec Jotaro. Oui, c'est ça. Qui correspond à la saison 2 sur Netflix. C'est dur, hein. Ils sont chiants. Oui, ils sont chiants. Et c'est c'était surtout méga censuré. Genre, ah oui, bah moi aussi. Jotaro qui fume une clope et tu vois vraiment ce qu'il fait. Magnifique. C'est complètement noir, tu fais waouh. C'est n'importe quoi. Et il a de la barbe. Bah, si tu veux un bon plan, si tu veux un bon plan, apparemment, la suite de Jojo, donc la saison 4, 5. Non, la saison 4 et 5 sont non censurées sur ADN et c'est gratuit. Ah, mais je les ai déjà téléchargés donc. Moi je les ai pas regardés. Donc je pense que là on est en train de regarder Bob's Burger. Donc on va peut-être finir ce qu'on a à voir sur Bob's Burger et après on passera peut-être sur Paradise Police parce qu'on l'a pas vu, sur Space End on l'a pas vu, non Final Space, ouais, Final Space. On l'a pas vu et peut-être qu'après on repartira sur Jojo et donc peut-être sur Steven Universe Culture. C'est fini d'ailleurs. J'ai vu ça, c'était fini. Attends, quoi? Ils ont fini Steven Universe Futur. Mais il y avait... Je savais pas qu'il y avait Steven Universe Futur. Bon. Non, je savais pas. Bah, c'est quand il est ado. Quand il est ado? Et attends, c'est... mais il se passe des trucs dans le monde. Et moi, je suis pas au courant. Hein. Attends, le Corona il quoi? Je suis pas au courant, moi. Beta Steven Universe Futur. Je savais pas. Je savais pas que ça existait. C'est dingue.
Mes tours sont qualitatifs. Je ne me fais plus chier comme avant, la la la. Mes tours sont qualitatifs. Ah non. Et maintenant je décède. Et maintenant je décède. Mais bordel. On n'est pas très merde. Je suis mort tellement vite. Ouais, vas-y, distance. Ouais, vas-y, gagne de la distance. Mais tu vas jamais y arriver. Non, t'as tous les PM qu'il a, quoi. T'inquiète pas, moi aussi, il peut me toucher. Oh, peut-être que Guillaume va vous sauver grâce à une invocation nulle. Et peut-être que le glutoblob va détruire la roulette. Le chauffeur. Il a fait un coup critique. Pardon ? Et moi, je crève la bouche ouverte. La roulette. Mais c'était sûr, en fait. C'est incroyable, ce monstre est trop con. Oh, putain. Allez. T'as entendu ce que j'ai dit, Colin, ou pas ? Sur Jojo Bizarre Aventure. Que c'est gratuit sur ADN et c'est pas censuré. On va enfin pouvoir voir les gens fumer et les gens mourir. Mais la... toute la série est gratuite sur ADN ? Apparemment, de ce que me dit Fuji. Ah bon ? Ouais. Fujifilm ? Non, pas Fujifilm. Il s'appelle Fuji Combiné. Ça, c'est son pseudo sur Fantasy. Ce serait marrant qu'il fasse, qu'il travaille dans l'audiovisuel, mais qu'il fasse caméraman. Développeur. Enfoiré. Non mais il a tellement de vie, non mais ça devient débile là. Je pense qu'on risque de perdre sur ce combat. C'est marrant. Non, ça l'est pas. Hop là. Tout à l'heure, j'avais vachement de portée. En fait. Peut-être à cause de l'arbalète qui est décédée. Ça sert à rien de le repousser, il va vous manger. Hein. Genre, si te mange pas toi, il va manger Guillaume ou la carotte. Donc. Mais au moins, il me touche pas. Ouais, mais au bout d'un moment, en fait, il aura plus de PM que vous et là, ça risque d'être un problème. Il mourra jamais le machin. Tape-le, Jake, n'invoque pas. Jamais il ne mourra. Et il va reprendre 200 en vie. Ouais, ouais, ou mais... 300. Ou 300 si... Ou 300 points de vie s'il fait un coup critique. Hé, il s'est pas soigné. Ouais. Il commence à perdre les buffs. Il pourra pas gagner plus de vie, il pourra pas gagner plus de PM. Alors que nous, avec la roulette. Oui, enfin. Du moins, là, il a pas pris. Ok, gros jeu, ça, lui. Bah ouais, mais j'ai pas assez de portée. Ah, bah moi non plus. Putain. Deux PA. Oh. Ouh, nice, vous allez faire beaucoup. Il pourra, gober deux personnes dans le même tour. Oh merde. Non mais arrête d'invoquer Jake! Tape-le! Il nous écoute pas ce soir, il a pas envie. Bah je le tape. Mais pas à coup de carotte! Mais non, mais c'est une stratégie. Non, oui, pas sûr, du tout! Mais si, comme ça, il y a plus de chances pour qu'il ne bouffe pas et qu'il bouffe le reste. Ouais, enfin, j'ai vu mais ça, si moi, il avait... le reste, il de la vie. Tout à l'heure, il s'est pas gêné pour dire « Tiens, ta carotte, j'en ai rien à foutre, je vais aller bouffer l'eau sale, là-bas, il a l'air... » Parce que c'était pas des carottes bio. Ah, ça doit être un ça. Un Les points de mouvement que j'ai, c'est abusé. Ah, c'est déjà à moi.
Alors, attends, il va vraiment falloir que je me mette à Jojo beaucoup plus sérieusement. Je cite, sans te spoil, dans la saison 7, le retour des Épéli avec Jiro, sauf que en japonais ça se dit Jilo, et donc oui, la Zeppeli a été inspirée de Jennifer Lopez. Ça donne envie. Je suis niveau 64. Waouh. Je suis toujours 61. Attends, parce qu'il y en a deux niveaux 61 et deux niveaux 64. Hein. Pourquoi t'es niveau 64, Louis? Pourquoi je suis niveau 64 parce que j'ai fait l'Almanax. Parce que il fait l'Almanax. Hein, j'ai entendu parce que je suis déjà au max. Aussi, oui. Alors attends, c'est lequel? C'est l'Indigo qu'on doit faire. Indigo? Oui. Indigo, go, go! Et avant qu'on commence quoi que ce soit, Guillaume, il ne faut pas finir à côté d'un ennemi. Il ne faut pas taper les autres blobs qu'on va te donner à taper. Il ne faut pas taper les autres blobs qu'on me donne à taper. Oui. C'est français, ça. Tu te focalises. Ça l'est, techniquement. Si. Techniquement, c'est français. Grammaticalement, tu ne dois pas taper les autres sens, blobs qu'on te donne à taper. Ça, c'est complètement français. Tu ne tapes pas les autres blobs, point. Ben non, parce qu'il faut non, quand même qu'on te donne t'en à taper. Un. Bon, avant ça, parle au PNJ. Lui, je choisis le blob indigo. Ah, oui. Indigo. Tout en bas, je crois. Il vient de le faire, ouais. Tout le monde est pris. Après, les succès sont confirmés que si vous l'avez fait sur les cartes. Oui, on a raté le premier, certes, mais ce serait bien qu'on fasse le deuxième. On a raté le premier, mais ce serait bien qu'on fasse le deuxième. Ben oui. Mais comme ça, on n'a pas à le refaire. Oh là là. Oui. Ouais, moi, je suis prêt. C'est bon. C'est prêt. Ben, on est tous prêts. Pas à côté d'un ennemi, c'est ça hein. Oui, pas à côté d'un ennemi. Touk, touk. Donc on te laisse encore le royal, vu que tu risques de lui faire masse dégâts. Allez, bah toi aussi. Hein. Non. Si. Pourquoi non? Parce que j'ai dit non. Non. Allez, on fait le premier châle. Ah putain, maintenant... Mais économe. Mais c'est les pires châles au monde. Guillaume. Tu ne taperas que et absolument que le blob pignon et pas au corps à corps. Voilà. Ok. Tu t'éloignes de tous les mobs. Ça risque d'être dur en vrai. Mm. Tu veux lequel toi, Thomas? Tu veux l'indigo ou le tronco? Le tronco. Ok. Bon, vas-y. La vache. Ah, ils font un peu mal, ouais. Pas à côté d'un ennemi. Mais en fait, ouais. Je suis en train de me demander si je ferai pas le grand tour. Quoi? Non, voilà. Voilà. Et tu tapes sur le blob pignon. Et pas le chat. Ah oui, et surtout pas le chaton. Ouais. J'ai pas mis de chat. Mais tu peux faire une. Tu peux faire une carotte si tu veux. Ça dit. Sert à rien. Oh là là, mais moi, comment je vais faire pour aller toucher l'autre con là-bas? Surtout qu'on m'a enlevé de la portée. Eh ben c'est pas grave, je vais passer un tour à faire ça. Ensuite on va faire ça. Ah, maîtrise d'armes. Qu'est-ce que ça dit? Ah, elle dure 3 tours, c'est ça?
la maîtrise d'armes, ouais. On va me rapprocher, on va demander. Putain, mais encore moins, toi. Eh, toi là-bas ! T'es moche ! Bah ! Mais il est dégueulasse ! Il a pas de monture, manquez-vous de lui ! Ils attaquent le plus fort. Le plus fort de. Le plus fort. Aïe, aïe, aïe. Blah. La plus pertinente sur le tir. On a dit, faites gaffe au biblop invisible aussi. S'il finit à côté de vous en invisible, ça foire le challenge. Ah ouais? Ah ouais? Merde. Ça, ça craint parce que Sifu, il est à côté de moi. Sifu, il y en a déjà un à côté de Guillaume, cela dit. J'ai jamais entendu parler de ça. Ben, moi non plus. J'en ai pas entendu parler, mais vu que c'est quelqu'un qui joue pas mal à Dofus, j'ai envie de le croire. Oui, c'est vrai. Salaud. Est-ce que c'est vraiment vrai? Non, il était pas à côté. Alors attends. Par contre, faut que tu fasses Libé. Libération. Là. Ouais, je pense qu'il va falloir Libé, ouais. Voilà. Et tu tapes que lui. Que le blopignon. Tu vas pas à côté de... Je peux pas... Bat-fuite près de ta carotte, au pire. Mais j'ai... Il me restait 2 secondes, quoi. Pas grave. Mais toi, t'es à l'autre bout du monde. Au pire, tu peux pas nous boost. Attends. Je réfléchis à quelque chose. J'ai dit. Qu'est-ce qu'il fait ? Réfléchis à quelque chose. Je vous dis. Voilà. Donc, pour moi, je laisse Guillaume tranquille. Il pourra bouger à l'esplaise. Alors, enfin, si vous finissez votre tour à côté, quoi. Oui, c'est vrai qu'on peut pas savoir, quoi, vu qu'on sait pas où il est. T'as toujours pas de musique, hein. Non. Non, c'est vrai. Il y en avait quand on était au village et tout, mais dans le donjon, il y en a plus. C'est bizarre, ça. Est-ce que le donjon a une musique de base? Bah oui, comme à peu près tous les donjons. Tous les donjons et tout. Parce que là, c'est pour qu'on ait pas de musique tous ensemble dans le même donjon, au même moment. Déjà, t'avais pas de musique la dernière fois qu'on jouait Yaki. C'était vraiment un bug encore lié entre Discord et... Mais je l'ai remarqué de plus en plus, c'est à cause de Discord. Dès que je me connecte à un chat de discussion... Si j'ai un autre truc ouvert, genre YouTube ou un jeu, ça coupe et c'est insupportable. En diagonale, ça compte ou pas? Eh oui. Non, ça compte pas. En diagonale. Attends, pourquoi j'ai pris 33 là? Parce que t'es sur un glyph. Tu vois le glyph de ta carotte, il peut y en avoir des ennemis et donc il doit... Putain, mais il devrait aller plus loin, cet imbécile. Oh merde. Je peux pas jouer. Si, mais il va pas assez loin. Dofus va pas assez loin? Ouais. Je crois que le blanc, il va pas assez loin. J'ai un petit sablier. Ah. Ouais. Moi. J'espère que je vais pas cracher. Bon, au pire, c'est pas grave, il y a pas de file d'attente, mais. Oui, c'est pas grave. Ah, c'est bon. Vous aurez tué tout ce que vous avez à tuer alors que je suis encore en galère. LOL. LOL, moi j'ai enlevé un quart. Je crois qu'on risque de pas y arriver en fait. Blop. 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 Ils sont trop drôles. Blop. Et putain, mais reviens là. Et en plus, ils soignent le tronco donc. Vraiment, tu le tues vite. Mmh.
c'est tout ce que je pouvais faire. C'est pas grave, ça arrive. Ah, là, tu peux te mettre en diagonale par rapport à... Ouais. Ouais, là, tu peux rester là, c'est pas mal. Ouais. Tu peux rester là. Si ton prochain tour, tu peux le toucher sans être à côté ou quoi que ce soit, commence ton tour par roue de la fortune qui t'augmente les dégâts. Ok. Oui, tu peux faire une libération ou pas ? Oui. Oh, c'est une blague ce jeu, sans déconner. Alléluia. Pourquoi j'ai autant de notifs là sur Discord ? Parce qu'il y a eu il y a eu le stream et une vidéo en ligne. La Giro, Martin, la mise. Ouais. Il y a un volant dans le ligne. Été... Ouais. Le traitement aurait été plus long que le plot. Ah, je ne sais pas raconter. En fait, si tu veux, on avait un scream avant-hier. On voit ce que c'est un scream ? Oui. Ok. On avait un scrim hier sur Splatoon et l'équipe adverse a arrêté de jouer au bout de 3 parties, c'est-à-dire littéralement 20 minutes de jeu, genre un quart d'heure. Quand je trollais et que je marchais. Voilà. Donc ils ont arrêté de jouer parce que je marchais. D'accord. Ça a l'air bien dit comme ça. Et du coup, on n'arrête pas de me dire... Putain. Arrête de marcher. Fais du bien, Jake. Il l'a ou pas ? Normalement, oui. Bon. Bah, fais soir, truc de la fortune, comme je t'ai dit, après bluff. Et après, tu vas vers ta carotte. Voilà, ça. J'y arrive. Va vers la carotte. Empêcher de bouger. Je vais essayer de regagner ma vie. Waouh. 16, waouh. Ah, il aurait peut-être fallu que je mette draconique avant dessus. Bon, je sais plus. Blop. Blop. Mais bordel de merde. Il t'aime vraiment pas. Ah, faut vraiment que je me dépêche de tuer le bloc de Nico, comme ça moi si je meurs, c'est pas très grave. Blop. Il est trop bien le royal. Blop. Je sais pas quoi faire après. Parfait. Ah bah c'est bien ça. Tu pourras faire appui. Nice. C'est vraiment de la merde. Hein. Bah c'est surtout qu'il a des résistances. Il a beaucoup de résistance. Faudrait que tu le tapes R. Eh, je fais que ça depuis tout à l'heure en fait. Ah bon, tu tapes pas terre ? Non ! Oh putain, il est parti loin ton mob. Furia, c'est une des premières. Non, pas Furia. Furia, c'est une des premières fois que je l'utilise là sur. Et non. Non, tu seras ta clé quoi qu'il arrive. Mais fais le tour au pire. Bah, mets-toi là, non ? Ouais. Ouais, mais s'il est bloqué par le biblob coco, personne ne pourra le sortir. Si, il pourra faire libé. Il aura libé au prochain tour. Non ! Quoi ? C'est pas grave, c'est une invoque. Oui, c'est pas grave. Ça m'a fait peur. Mais il faudra que personne l'attaque. Ouais. J'avoue, c'était un peu flippant. Mais... voilà, on a failli mourir. Mais quelle abruti! J'ai réussi! Oui! Déjà moi! Ah la vache, mais quel bordel! Si tu tapes terre, la couleur est marron. Quoi?
Blop. Je comprends pas pourquoi tu dis ça. J'aurais fait un différent. Tu parles le non-sens, Draken. Blop. Blop. Allez, on y est presque, on peut le faire. Dougling. Tu pourras refaire appui. Mais je vais surtout faire autre chose. Non, je peux pas faire appui. Fais pas libé, sinon. Peut-être que les dommages de pousser. Ouais. On sait jamais. Ouais, cabrioule, c'est bien. Mais là, t'es à côté de... Il a pas fini. Ouais, c'est bon. Ouf. Ouch. Oh non, faut sauver le soldat. Mais vous allez mourir. Bon, ben voilà. Hein. Attends. Tape le blopignon, pardon. Oui, est-ce que si je vais au bout tout droit, ça va? Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Comme ça, au moins, tu vas lui poser un chien ou un truc. Ah. Ah, merde. Il a gagné de la résistance. Merde. C'est le boss. Non, ça sert à rien. Le boss lui a mis de la résistance haut, tu peux pas le taper pour l'instant. Youpi. Je sais pas quoi faire, moi. Salut, Nino. Ah, j'ai une idée. Bah, écoute, ça va. C'est le biblop qui va m'achever. Attends. Pouf, ce dragon rouge, quoi. Putain, il... Ah putain, je peux pas te soigner. Tiens, entre toi qui est Rikiki et le dragon... C'est quoi ce cri? C'est le cri du dragon. Blah! Oh bordel! Non! Non! Ah, mais tu peux pas sortir de là! Attends. C'est vrai! C'est vrai! Attends. Non, 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 il est vraiment dans la merde là! Ouais, si, tape. C'est... Non, ça aurait été bien que Louis tue le blob indigo, mais. Non, je crois que t'es mort avant, t'as le tronco, il va te faire salut. Mais si tu meurs, la cible de duel, c'est qui? Ah, mais ça fait échouer le châle. Hein. Ça fait échouer le châle. Putain, voilà. Ah, d'accord. Je savais pas quoi faire. Et je sais... Bon, je ben, sais c'est quoi la faire. Merde. C'est la merde. La merde. Bon, il reste toujours un... Tape le tronco-blop, Jake. Tronco. Oui. Le tronco, alors, attends. Tu ne termines pas à côté de lui. Là. Vite. Ah ben, je pouvais faire que ça, de toute façon. Ça te gêne pas quand je tape l'indigo, hein? Non, non, vas-y. Voilà, j'ai envie de dire. Ah, je vais rester par là, moi. Graou. Graou. C'est parce qu'il a été piqué par la mouche de Tsetse. Il avait besoin d'une bougie pour faire ce truc. Oui. C'est pour ça que je pouvais pas te soigner en fait. Et j'étais dégoûté. J'ai essayé. J'ai tout fait pour. J'ai annulé merde. Mon tofu pour. Tape le tronco-blob, j'espère que tu le tues. Non. Voilà, ça... ouais, tu pourras. Ah sinon, si, fais ton cac, fais ton corps à corps. Oh, bon. Ben. Jack, fallait taper avant. Tu peux plus rien faire. Hein. Va falloir qu'on t'explique 2-3 choses sur le tacle, je pense. Je les vois les cases rouges pourtant, non? Et je peux pas taper. Oh. Tant pis. On fera un défi. Ouais, pour lui montrer. Tant pis. Au moins, on échoue pas le... Celui-là. Ouais, si on n'a pas fini à côté d'un biblop invisible. Ouais, ça, on peut pas le savoir, en fait. C'est le problème. Mais s'il y avait eu un truc invisible, il nous aurait tapé, non? Pas forcément. Non, pas forcément. Non. Tue le tronco-blop, Jake. Je peux pas. Comment ça, tu peux pas? Si, c'est bon, j'ai rien dit. Rires.
Alors, c'est l'heure de la révélation. Rien. Rien du tout. Non, on l'a pas validé. Oh. Mais non, c'est, ça se valide que quand on a les 4. Mais non, mais même dans les succès, il n'y a pas la case cochée. Ah, bah oui, il y aurait eu la case cochée. On va dans l'onglet Amélie. Je sais. Sortir du donjon. Repartir chez Babelwed les Bains à Magna, le village. À la taverne, c'est ça? Oui, c'est oui. Ça. Et à gauche. Et à gauche. Bon, bah, on va s'arrêter là-dessus. Il y a de la cuisine qui se fait dans ma cuisine. C'est profond. Bon, ben la prochaine fois, on commencera les quêtes d'alignement. On va pas faire l'île des Wabid, va falloir vraiment que tu nous t'arrêtes de nous casser les couilles avec ça. Oh putain. Mais on l'avait pas fini. Non. Ah. Voilà. Pourquoi? Ben parce qu'on avait pas le niveau. Ah. Mais... Tais-toi. On en a déjà parlé, tu m'énerves. Et c'est quoi la prochaine? C'est... le blob griotte. Bon, ben deux donjons, c'est fait. On attend tout le monde. Eh ben tout le monde est là. Bon, ben on va clore ici. Donc sur ce, à la prochaine pour du Dofus, pour du Dead Cell, pour du n'importe quoi, on sait pas. Voilà. Du Evoland 2. Evoland 2, parce qu'on a fini le premier, ça c'est cool. Donc sur ce, on vous fait des gros bisous, portez-vous bien, faites attention à ce que vous faites, ne sortez pas trop, restez chez vous, c'est bien. Voilà. Lavez-vous les mains. Et lavez-vous les mains. Voilà, allez, la bonne soirée. Tout ça. Salut. Ouais.